You are now watching the M2 Show. Show. Ne pas simplement l'empêcher d'aller aux élections, lui. Nous pouvons dire oui aux élections sans lui. Nous pouvons dire oui aux élections sans lui. Mais un dictateur qui organise les élections les fait toujours pour les gagner. L'exemple de la Côte d'Ivoire est là. Nous ne voulons pas que ce soit que notre peuple meure pour rien. C'est pour ça, peuple congolais, j'insiste encore. La PARECO, on est démocrate. On dit simplement les conditions ne sont pas réunies. Dans l'est du Congo, on ne sait pas qui est qui. Ailleurs, il y a des gens qui n'ont pas des cartes d'électeurs. Et plus grave encore, la diaspora. On est des millions. Il y a ceux-là qui disent que la PARECO, vous n'êtes pas des démocrates parce qu'il y a la violence dans la PARECO. Qu'est-ce que vous allez leur dire? J'aimerais qu'ils m'apportent des preuves. La violence est où? Où est-ce que tu nous as vu défiler ici? Est-ce que tu as vu des actes de violence? Donc on nous colle des faux attributs, des fausses qualifications. La PARECO est un mouvement qui a des cadres intellectuels, d'autres un peu moins, mais qui aiment leur pays. Il y a un nationalisme, il y a un patriotisme qui est là. Nous ne sommes pas des va-t-en en guerre, on n'est pas des voyous, non. Nous exprimons librement ce que nous pensons. Et je mets quiconque au défi de nous dire où la PARECO a fait un clash. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une tendance. Il y a ceux qu'on appelle les combattants, il y a ceux qu'on appelle les résistants, qui expriment leur frustration d'une certaine manière. Il faut un peu les comprendre. Je ne suis pas d'accord sur tous les actes, mais je crois que sur certains, il y a quand même moyen de trouver une part. Et j'aimerais dire à ceux qui nous critiquent, notre jeune frère Babi Baloukouna est rentré à Kinshasa pour exprimer ce que nous essayons d'exprimer. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a arrêté, aujourd'hui on l'empêche de sortir du pays. Donc, toutes ces frustrations, tout ce que nous voyons, ces injustices, nous voulons les décrier. Et nous croyons que les conditions ne sont pas réunies. That's it. La PARECO est prêt à travailler avec le président de l'UDPS, tu sais qui? Et l'UDPS. Vous pouvez lui poser la question si lui veut travailler avec nous. Parce que nous... Mais je vous pose la question, vous, en tant que président de la PARECO. J'aimerais vous dire, lorsque la PARECO organise... des festivités, démocratiquement, nous amenons tout le monde. Vous pouvez regarder. Nous avons vu les gens de l'UDPS ici. Merci. Mais c'était une âpre bataille pour convaincre. Mais j'aimerais simplement dire, si nous sommes engagés ensemble pour voir un nouveau Congo, nous n'avons pas de problème de travailler avec n'importe quel partenaire. Nous rappelons que la PARECO, c'est l'alliance des patriotes. Tous ceux qui aiment le Congo, qui veulent voir un nouveau Congo, l'UDPS veut mettre un état de droit. Nous voulons aussi une refondation du Congo. C'est la même formulation, mais différente. La même philosophie, mais formulée différemment. Nous sommes prêts à travailler avec quiconque nous respecte et nous prend comme partenaire. Donc s'ils viennent pour nous dire, écoutez, nous avons besoin de vous dans ce que nous faisons, je ne vois pas notre président national ou même le secrétariat général ou encore le collège qui nous unit ou nos textes dire non. Nous avons aidé certains groupes à l'époque, pourquoi pas? Mais à ceux qui nous suivent, à Kinshasa on a chanté Zongisayen à Rwanda au meeting de l'UDPS. À Kinshasa. C'est un concept, c'est Honoré Nguanda, un certain 4 juin 2005 qui a déclaré cela. Et aujourd'hui, le travail que nous avons fait de conscientisation et qui continue fait que à Kinshasa, tout le monde sait que Kabila s'appelle Hippolyte Kanambe, qui est rwandais. Et pour tous les supports, regarde un peu notre caméraman, parce qu'il nous demande un peu. Qu'est-ce que tu peux dire à tous les Congolais qui sont éparpillés dans le monde aujourd'hui, qui sont en train de marcher en Europe, au Canada, qui sont en train de marcher pour cette cause? Quel message tu as à leur passer à partir de Washington? Moi, ce que j'aimerais leur dire, c'est ceci. Chers amis congolais, ce ne sont pas les Français, ce ne sont pas les Américains ou encore les Belges qui vont venir nous sauver au Congo. Si nous ne le levons pas, personne ne fera cela à notre place. Il est grand temps, lorsque je vois ce qui se passe en Europe, que ceux qui aimaient la musique à fond,
qui tous les samedis sortaient en boîte, se sont dit on arrête de sortir pendant un temps rien que pour fixer le problème du Congo. Je demande à ceux qui sont là, les intellectuels, qui se disent peut-être il fait trop chaud, moi j'ai pas envie d'aller au soleil, ma teinture, il est temps aussi que tu sors. La lutte derrière le internet ne se fait plus, la lutte est dans la rue, la lutte est active, il faut poser les actes. Donc à ceux qui nous regardent, je dis encore, nous n'allons pas nous fatiguer. Aujourd'hui ils sont venus de là où ils sont venus, nous allons encore convoquer d'autres rencontres pour que nous puissions nous retrouver. Le problème c'est pas le nombre, c'est la qualité des gens qui viennent. Je vous rappelle, de 32 000 nous dit la Bible, l'Éternel en avait juste retenu 300. Donc même si vous êtes resté chez vous, il n'y a pas de problème. Si vous aimez les discussions dans les matangas, moi j'en fais pas partie. Si vous aimez les discussions dans le fora sur internet, moi je suis un homme de terrain avec ceux qui croient et je crois que c'est sur le terrain qu'on le fait. Et j'aimerais te demander, si ton caméraman se tourne, tu verras ce qui se passe. Ici à la Maison Blanche, ils ont des caméras branchées sur nous. Donc ce qui se dit, ce qui se fait est traduit à l'intérieur. Quand les gens croient que ce que nous faisons est vain, ils se trompent, ils ne connaissent pas l'Amérique. Tu le sais, on nous a photographiés, ils sont venus nous demander les documents, ils ont pris des photos, ils enregistrent ce que nous disons parce que la sécurité doit faire son travail. Demain, il y aura des questions qui se diront, Kabila get out of Congo, pourquoi les Congolais sont venus? Donc c'est important, le message est passé et nous n'allons pas nous fatiguer, nous allons continuer. C'est la seule chose que nous puissions faire ici à l'étranger. Si on nous permettait de rentrer au Congo, je ne te cache pas, je serai dans le premier avion, je rentrerai chez moi pour aller manger mes bananes plantains et autre chose chez moi. Dernière question, aucune partie. Vous considérez-vous un combattant? Vous êtes combattant? Tout ce qui est derrière vous, tous ceux qui sont derrière vous. Non, voilà ce que je vais dire, c'est important. Je suis un combattant de la justice. Je suis un combattant de la liberté. Je suis un combattant pour un combat nouveau. Il faut... C'est une différence des autres combattants qui sont... Non. Voilà ce que je voudrais dire. Vous savez, on ne peut pas singulariser. Il y a un groupe de gens qui se sont levés il y a à peine 5-6 mois. C'est bien, ils s'appellent combattants. Moi, je frappe dans les mains. Mais je dis attention, mes frères. Il y a certains qui ont commencé cette lutte il y a longtemps. Toi et moi, tu te souviens, devant Kagame en 2006, je lui ai posé la question de savoir, tu as tué au Congo, quand est-ce que tu vas payer tes tas avec moi? C'est passé sur les chaînes ici. Donc, je ne m'étais pas attribué à ce moment-là un nom combattant. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui une terminologie. Mais nous disons à ceux-là, venez nous rejoindre. La Pareco a une cinquième colonne. On a des gens sur Kinshasa, civils ou militaires, qui sont prêts à se lever pour que ce pays sorte de là. Je les invite à bras ouverts. Frères et sœurs, venez nous rejoindre. Patriotes, résistants, combattants, nationalistes, appelez-vous comme vous vous appelez, venez nous rejoindre. Il est important de rejoindre une structure qui est organisée plutôt que de crier dans le vide. Après les concerts, ça va être quoi comme message? Vous comprenez? Tout ne s'arrête pas qu'au concert. Il faut une idéologie derrière. On a un projet de société. On a un plan. Nous avons des hommes sur le terrain, des femmes qui nous rejoignent dans les universités et ailleurs avec un message qu'ils ont compris. Donc nous ne sommes pas simplement à faire un travail à l'extérieur. Ce travail est relayé sur terrain. Et aujourd'hui, nous focussons plus sur ce qui se passe au pays. Donc, combattants, résistants, ce sont des termes, des appellations que les Congolais veulent se dire. Je suis tout simplement un Congolais qui aime son pays. Exactement. Voilà, c'était président Abraham Lwakabwanga. Merci. Merci beaucoup, président. Yem Touchou, merci encore une fois pour vos déplacements. Je sais que vous devez aller ailleurs, tourner des films. On doit être là pour vous. Vous êtes venu. Merci à tous les fans de Yem Touchou. Je vous aime beaucoup. J'aime votre présentateur. J'aime ses émissions. Vraiment, nous sommes ensemble. Quand vous verrez ce programme, envoyez-leur un maximum et aidez ce monsieur que j'aime beaucoup et qui a la particularité d'être mon jeune frère aussi. Merci beaucoup, président. Voilà, c'était président Abraham Lwakabwanga avec nous. Comme vous êtes en train de derrière là, tout le monde est en train de s'élever, tout le monde est en train de déclarer. Kabila dégage, c'est leur message encore une fois. Et comme le président Abraham Lwakabwanga a dit, ce ne sont pas tous des combattants. Il y en a certains qui sont juste des Congolais normaux. Ils ne se considèrent pas en tant que des combattants, mais ils sont ici pour effectivement déclarer hautement qu'ils ne veulent pas ce gouvernement qui est en place au Congo. Comme vous voyez ces images, vous les voyez derrière moi. Voilà quelqu'un qui est derrière moi avec aussi une photo comme il est en train de vous le montrer. Quelqu'un qui est mort, qu'on a tué Tchebeya. Et ils sont en train de réclamer que la justice doit s'est présenté, que Tchebe a... Voilà, vous le voyez, et ce message... Papa, ouais, allez-y, message. Pessa, message. Pessa, parce qu'on a l'ingala, pauvre français, le Kimingawa. N'aninga balamboka. Balamboka, l'ingala, et ali lango bisoto lobaka. Lelo, mboule, koki, babomi, activiste, moutu ya droit de l'homme, Tchebeya, ya on toponi dati ya lelo, poto manifesté. Raison penda to manifesté lelo, yango wana, yango nazota la photo na ye, bande konyo sobata la raison penda yali kabila kende meto ponagi dati ya
anniversaire ya Chebea. Donc pour laquelle anniversaire ya ngonde bo marché. Ya ngoto. Est-ce que vous assurez que message na bino penza Obama zoyo ka ngoto za devant maison blanche, mais est-ce que vous assurez que Obama kozo message? Bon mona kitango police azo solo nanga tokomaki makambuti. Boyi makam tokomaki? Donc vous passez quand même message wana. Na yebi passer parce que bo il fallait bo filmer ba côté makambezo leka. Bo filmer muta vandité. Ngam na solo na police kombo nanga ba raison. Bah, on pèse en gros. C'est comme mon frère, Hermo, bah, tu vas le barrer. Mais, dans tous les matchs, bah, match, ils ont les canets belés. Mais, et l'autre, on m'a dit, salamate. Est-ce que, bah, américain, bah, y'a que la rabino, tu vas y'a que la rabine gouvernement en place? Bah, américain, on a un solo qui est dans le département d'État américain. Oui. On a posé, bah, question, bah, bima, kamunyo, sozo, bah, tu es bien gros. Mais, et ça, pays, on a bisoté poto kende, qu'on bien gana yé. Bino, so, bo, telemi. Bisoto tchabino poa po bobi bona masacité to tchabino poa bino ne boté maliboso mais bat bazoté mais diaspora batu na mboka bana koma bosiko esenga toke na mboka chebe atika ki France ake babomie amatungula kei babomie babi balukuna kei bakangie babotoli passeport tozolo ba papa babotoli passeport. Bon, si quoi on a une image ben na kende. Mais est-ce que na kozonga? Na pe mutu na banga pe. Na zape mutu na rondi ma pe na za la kaka kamikaze. Bon, balobi batu batele mande batem na Tunisie to kotia bino poa to lingi kabila kende mais bisom to ke benganeti. Ils a l'évasion. Bino nde botele ma. Bino moko ba kongole mais kongolaze en kisasa. Kaka ko bina comme la masanga kindumba bosiko bisonde diaspora ndé population ya Congo nyonso mo balobi bino bozo marché mais na Congo bazo marché té bango bazo marché té balingi biso to ke libérer bango mais tozo ko meka malé malembe moko akéyi Yesu kakaka babomie oya suka ngam na bengaki Monisco na département ya droit de l'homme en tant que combat président ya ba combattant Amérique. Na bengi na zuba nanga to bengi 50 fois ba promettre ba biba ke lukaye lobi na ngota musikoyo na téléphoné ba bi non to kenda ki na kan place azali mais bazaki na parade alonde ba na parade to koko kota te to kenda prenga bi il faut bo kende lobi na ngoli suba kei ba bi to moni etenga bi non to zui de pêche moko monsieur Wechi asaki na muto benga ka partir a kin ba lobi azana makala bo kende ye moka témoignaki tangu babi balukuna lobi merci na ban États-Unis apesa ginan ya kingai président ya ba combattant po batu ya droit de l'homme ya Monisco ba kenda otalae ba tie pression mutu akotisie na prison azali magistraté mutu akotie na prison azala ki soki mutu ministère de l'intérieur un policier mais ana droit ya kokebimse na prison te po kuné ko ministère de la justice. A kenda ki bimisi po pression o ba combattant y a de partout ba tchaki. Ya ngo ka babi abaki merci pe na ban États-Unis. Notamment ngai oyo munasaki ba makambu wana. Nazako sa ba démarche toye awa bo moni communauté nyo soye. Ba bazako boya ko l'accès longi na bango. Nga zo l'accès longi na nga. Nga zo banga te na l'accès longi na nga ye. Bazako boya ko l'accès longi na bango ba ngi ba libérer ba mboka ba kende. Qu'est-ce que c'est là? Mentalité à Congolais, y'a quoi là? Mais dans le processus bazate. Bazate. Yo yawa, il y a pas de monite. Ba moni aux activistes. Mais bon, balingi bongote. Balingi ka tango, ba libéré. Bisopeto, bangwana, ba yesiko, nga pena ka Congolais. Les rois siko so ba refoulé yo. Ah, aux andes, on a bisoto escominio yo. Oh non, ba toi, ba dictateur. Té. Qui n'a pas travaillé ne mange pas non plus. Président, message nous envoie au passé, naba nani nyonso. Naba combattant tout pour tout à une minute. Message on va passer au combattant tout au Banamon Mubimba, na Londres, na Canada. Message on va passer avant tout le long. Message est que victoire. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Merci. Je vous aime tous et j'aime le Congo. Merci beaucoup, président, pour ton temps. Voilà, c'était le président des combattants ici aux États-Unis. Voilà, il va aussi. Président, pardon, le nom, s'il te plaît. Imeka Claude, le président de combattants USA. Voilà, c'était le président Imeka Claude avec nous. Encore une fois, nous vous remercions. Merci beaucoup.
the street, trying to pay for a place, sleep and eat. When you're broke, everybody want away from you. If you make it, everybody want a piece of you. Reminiscing little boys on the NYC. Try being every day from the DRC. Never thought I'd hear to see a black president. Now my kids think they can be president.